Assez, par les dieux! Je me rends à merci! Ah, enfin, drôle! Te voilà châtié dans ta chair! Mais ce maquillage, cette robe à l'aspect douteux, tachée de fluide corporel, j'en aide! Sapristi, je suis découvert! Eh oui, chère cousine, vous m'avez percé à jour en même temps que de multiples traits d'armes. Enfin, mon cousin, il faut mettre un terme à ces enfantillages. Enfantillages? Ils ont quand même essayé de nous passer la rate aux presses purées! Deux fois! Oui, ayant jugé par les monstres, la sorcellerie et la débauche, ça sent bon la vénération des puissances infernales. J'avoue, nous rendons un culte à Slaanoush, dieu des secrets, des vices, de la perversion, des rêves lubriques et des fouets à clous. Les serviteurs du chaos, faut tous les empaler! Pas ceux de Slaanoush, ils sont capables d'y prendre du plaisir. Voyons, Jean-Eudes, une petite orgie de temps en temps, je ne dis pas. Mais vénérer Slaanoush, vous n'êtes pas bien. Le culte des dieux du chaos, cela ne peut que mal finir. C'est Eudes qui arrive. Ma nièce, ouais. Jean-Eudes, enfin je vous retrouve. Ah non, pitié, pas ce vieux barbon. Hélas, mon oncle, non seulement il a sombré dans la débauche, mais il était leur chef et servait Slaanoush. Cousin ou non, ce coquin doit être châtié de la manière la plus exemplaire. Je vous propose de commencer par lui broyer les pieds. Ensuite, on pourrait lui couper la parole. Au nom du clergé de Euclide, c'est à moi de me charger de la sentence. Certes, certes. Mais soyez sans merci. Alors, quel avenir réservez-vous à Jean-Eudes? Ah. Alors, le laisser partir, le confier au prédicateur ou l'exécuter? Sachant qu'il fait tâche quand même à la réputation de la prêtresse. L'exécuter, moi, ça me semblerait la chose la plus... comment dirais-je? Bon, bah tant pis, hein, c'est un cousin, mais bon, il avait qu'à mieux faire. Le confier au prédicateur, il risque d'aimer ça. Et le laisser partir, vraiment? Si je laisse partir, il va recommencer. Donc, soit on l'exécute, soit on le donne au prédicateur. Qu'est-ce qui serait le mieux? Sachant que si on le donne au prédicateur, il se fera broyer les pieds, couper la parole, ce genre de choses. Qu'est-ce que vous feriez, vous, dans le chat? Je sais pas, bah merci. Merci. C'est du soin, donc je sais pas l'exécuter. Après, c'est l'ordre du chaos, c'est des trucs du chaos, c'est pas terrible quand même. Bah, je vais rester sur le principe que pour le personnage exécuté, voilà quoi. Malheureusement, même si la clémence sied au cœur noble, le service des dieux du chaos est un chemin sans rémission. Par Euclide, le seul choix possible est ta mort. Non, Slaanoush, aide-moi, Slaanoush. Hélas, que ce funeste destin serve d'avertissement mortel à tous les pécheurs. Vous avez bien jugé, ma nièce. Il était impossible de supprimer tous les témoins. Quel n'aurait pas été le scandale si l'un d'eux avait fait courir le bruit que notre famille comptait des serviteurs de Slaanoush dans ses rangs? À un moment, j'ai cru qu'elle avait fait un choix éthique. Parfait. Je vais prier pour le salut de son âme et reprendre mes prédications. Lorsque nous serons sortis d'ici, je ferai savoir que Jean-Eudes a été frappé par un cruel trépas des suites d'une longue maladie. Inutile de s'étendre sur le sujet. Surtout que lui-même s'était étendu sur beaucoup de sujets et d'objets. Pardon? Bon, on peut sans doute reprendre notre quête, non? Mais alors, on ne se met pas tout nu pour s'enduire de miel? C'est très bon pour la peau, même si on danse pas. Que vous êtes cocasse, ami roturier. Et merci de votre aide. Modeste, mais appréciable.
Ah, donc si vous voulez savoir ce qui se passe si on ne le tue pas, faites le jeu. Ah ouais, du coup faut que je... Oh non... Ok. Alors on a quoi, 17-20, 17-25, plus de précision, d'équiper, autant de chances de compte critique. Ok, bah du coup on va garder celui qu'on a. Hein. Par contre on va reprendre le diadème. Hein. Hop, on équipe. Les chaussures. Ah bah on va mettre les chaussures. Très adapté à ma situation. Voilà, on avait eu un autre truc. Ah, le talisman de soins. Est-ce que le talisman de soins, ce serait pas pour notre guérisseur, justement? Parce qu'il fait plus de soins. C'est pas mal. Ok. Les masques lubriques, on va devoir les vendre. Ah putain, un coin de fleurs. Y'a quoi là-dedans? Ah, c'est mon sac. Se faire les poches à soi-même, c'est la mise en abîme du voleur. Et d'accord, il y a des masques pour femmes et des masques pour hommes, d'accord. Paf, on lui remet une petite passoire. On remet son chapeau. Est-ce qu'en termes de bâton, on a un meilleur bâton? On a un bâton qui fait 19 dégâts pile, mais là on a 17 à 25, donc on va prendre le bâton qui fait 17 à 25 de dégâts. Zut, c'est le foutoir là-dedans. Et, bien sûr, le casque. Voilà, comme ça tout le monde est revenu avec leur équipement de base, c'est plutôt pas mal. Des consommables, on peut rajouter quelques petits consommables pour nos amis... Je pourrais faire ça. Alors attendez, je vais mettre une bière. Je me dire en fait lui. J'ai les potions d'invisibilité, donc peut-être lui mettre des potions d'invisibilité en fait. Ah non, pas mes poches. Alors lui il a plus rien, donc on peut lui mettre des petits jambons, des petites saucisses. Un petit jambon. Une petite saucisse. Qu'il me reste de quoi prendre des notes. Petite saucisse de Loubet. Alors je salue mon professeur de mathématiques quand j'étais au collège. Ou au lycée, je ne sais plus. Non, au lycée. Voilà. Alors la force à constitution. Ok, alors qu'est-ce qu'il peut? Une baffe amicale. Une claque qui augmente les dégâts infligés à l'allié cible et le force à jouer en premier au prochain tour. Ça fait des dégâts, mais... Non, ça fait plus de dégâts, mais ça fait aussi des dégâts, ouais. Un tir de bourrin, un tir à l'arc qui affiche des dégâts importants. Ça peut être pas mal, ça. Un coup terrifiant. On va prendre l'arc. L'arc bourrin. Je suis plus fort. Plus d'endurance. Frappe étourdie. Sente. C'est 20% de chance d'étourdir avec la frappe de base, c'est pas mal. Prends ça, plus 1% de chance de coup critique, c'est pas mal. Plus de précision avec l'arc, c'est pas mal. Il est plus affecté par l'affaiblissement quand il perd des points de vie. D'accord. Des choses plutôt pas mal en vrai. Alors, on va augmenter la chance d'étourdir en frappant. Et puis bon, on va explorer les lieux maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Objet de quête utilisé. Ah, j'avais... d'accord. Ah, un levier. Utilisons le levier. Oh, ça ouvre un coffre. Vite, l'ogre. Défonce-moi ça. Voilà. Et ouvrons ça. Ah bah, bonjour, vous. Alors, y a de l'or là-dedans? Un slip usagé, mais consacré de Slanouche, bien sûr. Un bâton spirituel de soutien. Et des potions. Alors, là, le petit bâton. Que voulez-vous, roturier ? C'est le soutien du coup qu'on a eu, qui fait 17 à 20. Moins précis. Qui donne 3 de soutien, forcément. Il chante. Hop, on ouvre la grille et bonjour !
D'accord. Faites pas attention à moi, bien sûr. Je veux pas savoir pourquoi ces gens qui ont des masques de loup sont à quatre pattes. Bon, on va continuer d'explorer la zone, hein, tant qu'on y est. Bah c'est fermé, voilà, ça a été exploré vite. Et ici, il y a un orc qui est mort. Et c'est fermé, et bah voilà, comme ça c'est bien exploré. Et allons battre l'Oktoberfest. Qui n'est pas un festival d'octobre, même si le nom pourrait le laisser supposer. Alors. On n'a pas besoin de carte. Oui. Bien sûr. Tonnerre ! Un vil piège ! Ça fait trois fois que je me prends ce piège, hein, à chaque fois. Hein. Mais je peux, hein, si je joue, si j'avais mis le voleur. Voilà. J'aurais pu voir le piège. Malheureusement, le voleur, comme il se déplace en marchant, bah, c'est long. Donc, bah, je vais manger le piège tout le temps, hein. Pas trop le choix. Hop. Et on va à l'étage abandonné. On va y battre l'Oktoberfest. Afin d'un combat, les objets de la ceinture qui ont été utilisés peuvent être automatiquement remplacés si ces objets sont disponibles dans l'inventaire. Il faut pour ça activer l'option remplissage auto de la ceinture. Ah, est-ce que j'ai peut-être de pas activer? Regardons. Ça doit être dans les options. Alors bien sûr, on est en français, on a gardé les sauvegardes automatiques. En difficulté normale, on peut mettre le compteur en homme ou femme, moi j'ai mis femme. Conserver la graine d'aléatoire, parce que sinon c'est pas drôle. Caractéristiques auto, non. Ça, oui. Voilà. Rotation de la minimap, oui. Sous-titre, bien sûr. Bavardage, oui. Je pourrais rajouter plus de On peut faire taire le nain ou l'elfe, si jamais vous aimez pas que l'un ou l'autre parle, évidemment. Je peux mettre la grille si vous avez l'habitude de... Moi je n'ai pas mis la grille, mais c'est vrai que si vous avez l'habitude de la grille, vous pouvez. Accélérer les animations, non. Durée de la conscience en nombre de tours, ok, on peut modifier ça. Bon, moi j'essaie par défaut, bien sûr. Caméra rapprochée, sur les coups critiques, sur la mort d'un personnage. Et caméra de combat, voilà. Donc il y a quand même des petites options pour rendre le jeu un peu plus sympathique. Plus facile ou plus difficile, hein, comme vous voulez. Moi j'ai essayé par défaut la plupart du temps. Et on est parti. Hop là, attention au mouvement de caméra. Pour l'Oktoberfest. Ah oui, c'est ça, je me souviens, il nous fallait une pilule contre la gueule de bois pour pouvoir réussir un concours de boisson, si je me trompe pas. C'est parti. Ils sont de retour sous vos applaudissements. Nos sympathiques invités qui vont encore boire un coup avec nous. Jusqu'à plus soif. Pas cette fois, morveux en robe de chambre. On va te faire bouffer ton galurin par les narines. Très bien. Je vois que les choses se compliquent. Je rends l'antenne et je laisse nos sympathiques invités se faire massacrer par notre formidable public. Bah c'est pas gentil. Sapidius, il s'est volatilisé. Tant pis, on va lui bousiller sa fête et tout casser. Baston. Ah, des saucisses. Il faut casser les saucisses. Il faut casser les caisses à saucisses. Chrome. Ok. Enfin toi. À condition de victoire, casser. Alors chaque caisse nécessite deux coups pour être détruite. Il faut casser les trois caisses de saucisses pour stopper l'arrivée des renforts. Attendez. Essaye de faire les choses bien. Hein. Voilà.
Alors, sachant que bah, tout le monde a l'air d'être un peu bourré, donc je pense que ça devrait plutôt aller. Là, il y a une caisse, il y a une caisse qui est là, il y a une caisse qui est là... Il n'y a que trois caisses, donc ça va. Il y a quelques gobelins et autres, mais je pense que ça va spawn à l'infini tant qu'on pète pas les caisses, donc c'est parti. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Cet orc est en furie. Bien sûr. Et ben, il repart de là où il vient. Et ben, il repart pas du tout de là où il vient, mais bordel. Par contre, je peux me mettre là. Bon. S'il part pas, il tombe. Il tombe pas, hein. Ok, bon, on va au moins aller essayer de péter celle-là. Un tir de bourrin. L'arc. Échec critique, parfait. Je peux devenir invisible. Je ne suis pas là. Allez, à moi. Tir handicapant, parfait. Là, je crois que... Ouais, ça y a des ennemis par en bas. C'est pas. Oui, ça va venir d'en bas, donc... autant... Ah, je vais le geler. Voilà. À moi. Ah, il y en avait un là. Un morpion à 800 pas. Ah, mon pauvre ranger qui aura pas le droit de jouer apparemment. Même pas mal. Zombie cassé. Putain, oh, le ranger il se fait marave quoi. Heureusement, j'ai un perso de soin. Esquiver. À moi. Un match ça. Mortal Kombat. Mortal Kombat. Pourquoi? Ouais, ok. Les ennemis vont arriver. De nouveaux ennemis vont arriver. C'est pour ça faut qu'on aille casser les caisses. On va se mettre en posture de défense. Je pense que j'en aurais bien besoin. Alors la question est... Bon, on va d'abord se faire celui-là. Je sais pas combien de tours il dure le gel. Donc on va essayer de casser... essayer de le tuer au plus vite possible. Je vais d'abord tuer les gens avec... Mais attendez, mais il est plus invisible, là. Pourquoi? Merde. Esquive. À moi, merde. Ah, je crois qu'il était encore invisible. Ah, si j'avais vu qu'il était plus invisible, j'aurais tapé la caisse. Qu'est-ce que je vais faire une gifle. Tourbillon, là, faudrait que j'arrive à mettre le tourbillon là-dedans. Ils sont tous là. Petit tourbillon là. Hop. Et dans la bière. Voilà. Ça, vous êtes dans la bière. Et hop, ça glisse. Merci la bière. Mais non, mais... Coup critique. Vraiment. Ok.
pierre. C'est tuer ce qu'on peut tout de suite, hein. Tenez, prenez un coup d'éclair. Ça vous fera du bien. Lui, s'il bouge, il peut tomber. Cassé. Besoin d'aide. Il soigne, ok. Barrage d'acier. Putain, il a loupé les deux, quoi. C'est encore plus laid que les nains. Ok, donc là, il y a le prochain qui arrive. Monogri tank. Ah oui, mais en fait, lui, c'est le... une sorte de boss. Ça. Lui, il est en... On va enlever ça, voilà. Ah, c'est pour taper deux fois, mais j'ai pas envie de taper deux fois, moi je veux juste le tuer. Allez, on le tue. Purée, il meurt pas, hein. Lequel qui va jouer en premier, lui? On va taper, on va commencer par taper une première fois la caisse de saucisses. C'est parti. Bon, j'aurais pu essayer de le tuer avec mon voleur, mais là faut commencer à faire reculer les gens là. Peut-être j'ai quelqu'un à soigner peut-être chez moi là. Le barbare peut-être. Bon, ça va. Taper personne. Mais si, je peux le taper. Non, 4 tours, 4 tours. Ouais, c'est quand même 4 tours, hein, de régène de sort. On va le tuer avec la gifle. Voilà, petite gifle magique pour tuer les adversaires. Il s'est remis en vigilance. Échec critique de l'attaque. Du coup, ça lui revient dessus, il devient berserker, tout va bien. C'est raté. L'elfe qui touche à l'arc, quand même, c'est beau. Alors, le nain, sa charge, elle fait 3 cases. De souvenir. Ok, moi je vais le nain, il va aller aider le ranger. Piou, échec critique. Parfait. C'est pas une super bonne idée quand même. Eh bien sûr. Échec critique qui soit une adversaire. C'est beau. Lui il bouge pas, d'accord. Là il y a des gens qui vont arriver. Là il y a des gens qui arrivent. Ça, faut vite casser les caisses de saucisses. Tac, tac, tac. Lui, il meurt. J'en ai marre. Hop, l'homme il mange, on va le mettre là. Ça, il va faire barrage de son corps. Ou pas.
connaissez la blague de l'orque bourré? Bien sûr. La fameuse blague de l'orque bourré. Donc, ok, je peux me mettre là. Et on fonce dans le tas. Non, on fonce dans le tas. C'est parti. Ok. Ici. On va tuer lui, hein. Puis... ta gueule. C'est pas possible, on recommence. On va tuer lui. C'est pas possible. On veut pas le tuer, mais on va casser ses saucisses. Voilà. C'est la fin de ses saucisses, ses maudites saucisses. Bon, tue-le au moins. Mais bordel. Ont besoin d'aide. Ah, vraiment, hein, je peux pas. Attendez, le ranger il a pas besoin de soins. Le ranger a besoin de soins, mais est-ce qu'on on ferait pas ça? Numérotez vos dents, ça vous aidera pour après. Je vise l'œil gauche. Tu croyais quoi, qu'un nain s'est pas bougé? Il se relève. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me taper? Oh, putain, je peux pas lui bouger, bah, c'est pas grave. Lui il s'en va, il va taper la soigneuse. Il va essayer du moins. Échec critique! Parfait. Il se suicide. Ah, ça c'est beau. Là, ça serait dommage de baptiser l'elfe pour faire des tirs sur les côtés. D'accord, bon. Est-ce que je refais un tir? Non, on va garder... Non, ce jeu est quand même... On se fait quand même submerger en termes d'ennemis. Mais il faut vraiment pas paniquer, quoi. Choix. Je peux le taper là, non, je peux pas. Je peux taper qui? Ah, ok, c'est pour taper le truc là. On va le taper en cac. Et on va pas bouger. Alors là, ils se sont tous alignés. C'est très bon. Putain, il est étourdi. Oh, il y a une poule. Il y a une poule. Il y a un poulet. Il va falloir que je soigne mon ranger quand même. Et la poule se fait attaquer par son allié. C'est trop beau ça. Bien joué. Bien joué la poule. La poule qui m'aide. Ça c'est bon ça. Alors lui il est tout ce que vous voulez, il jouera pas. La poule s'est fait tuer et ça, comme ça c'est bien, ça me permet de... Les orques, c'est dangereux. Il faut une bonne tactique. Sprint, ouais. Ok. Et dégage. Putain, berserker. J'ai envie de le faire jouer encore une fois. Il faut vraiment le buter, lui. Coup pour un petit... Non, enfin, je veux dire, c'était bien. Ah, lui, j'ai plus de PV, on va le laisser pour le notre ami le voleur. Faut que j'aille sauver le mage. Enfin, la prêtresse. Un petit coup de... simple attaque. Parfait. Ah bon, j'ai deux dos aux autres, mais c'est pas grave. Toi, tu meurs. Voilà. Euh...
va rester là. On me soigne, merci. On va se mettre là. Ah, c'est soit je le tue, soit je soigne le ranger. Parce que lui a déjà joué, lui il a pas joué. Donc soit je le tue, soit je soigne le ranger, soit je gèle celui-là et on va le tuer. On soignera le ranger une autre fois. Je mouche un morpion à 800 pas. Yeah. Petite parade de la part de notre barbare. Et j'aurais peut-être dû soigner le ranger. Non, ça va. Mon ogre, c'est un tank, donc on peut le laisser là, il n'y a pas de problème. L'elfe faudrait... Est-ce que je peux blesser des gens? Peut-être lui. Et la faire partir par là. Ça va, il rate tous leurs tirs sur mon ranger. On a de la chance, le ranger n'est pas encore mort. Là par contre je suis obligé de taper. On va taper ceux qui ont moins de PV bien sûr. Que j'arrive à faire revenir mon ogre parmi nous. Ok, donc le prochain ça sera là. On va. Ah oui. On va le taper, je vais faire rattaquer le ranger pour le tuer. Comme ça le nain il peut aller tranquille là-bas. Voilà. Mon ogre, est-ce qu'il a le droit de jouer mon ogre? Ah, il a le droit de jouer. Attaquer dans le dos et paf, il le tue. Bon. Pourquoi pas. On mange un coup, on se soigne. On se met là. Et putain, elle, donc ça va. Le nain. Bah le nain, je vais peut-être le mettre là en fait, comme ça il va les embêter. Et on va le repousser. Merde, c'est pour ça que je vais faire. Dans ta gueule. On va le faire rejouer. On va faire baston sur celui-là. Hop, comme ça, on peut le tuer tout de suite. Ou pas. Et les chances de rater sont quand même assez grandes. Et du coup, je le voyais plus. Ok. On va jouer l'adversaire. J'avais dit que je vais soigner le ranger, merde. Aïe ! Ah, tu l'as senti, hein ? Ouais, j'aurais dû soigner le ranger. Il revient. Ah, ça va, j'ai l'elfe. L'elfe pourra soigner le ranger, tu veux dire. Hop, on soigne le ranger, comme ça personne ne meurt. Ça fera plaisir au ranger de recevoir du soutien de l'elfe. Oh, c'est un bon moyen de farm l'expérience hein, quand même, cette zone.
Et non, bah finalement il est mort. Bon bah tant pis. On va faire ça. Avec de la chance, on tuera que les ennemis. Un bon orc est un orc mort. Qui a la sonde? Oh là là, mais c'est quoi cette bouse? Voilà, on a tué tous les ennemis en un sort. Bon, ça fait un peu mal, mais ça fait un peu de dégâts, mais c'est pas grave. Putain, l'ogre MVP, quoi. Par contre, faut vraiment aller faire détruire la caisse de saucisses qui se trouve là. Enfin, vraiment, va vraiment falloir aller détruire toutes les caisses de saucisses, tout simplement. Je peux laisser mon ogre là, hein, comme dit, c'est un tank. Qu'est-ce que... Ah oui. Ok. Berserker, il n'est pas étourdi. Soit je vais m'occuper de lui, soit j'avance. Je pense qu'on va plutôt avancer. Et tirer à l'arc avec le barbare. Je ne suis pas là. On va essayer de taper des gens dans le dos avec notre ami le voleur. En fait, je me suis dit, je vais me déplacer comme ça. Lui, il va se déplacer, mais apparemment, non. Ouh. Ouh la prêtresse qui va mourir. Finalement, le... Le sort de foudre est peut-être un peu... peu exagéré. Même pas en rêve. Se retourne, ça va taper le nain, bien sûr. Merde. L'elfette. L'elfette, elle a fait son soin, donc elle ne pourra pas soigner tout de suite notre amie la prêtresse. Par contre, on va pouvoir tuer lui. Le nain, il va pouvoir aller vers la vers les caisses. Oh, l'attaque à l'arc. Ok, on dégage le ranger, pas de soucis. Ah, par contre, la magicienne, il faut la protéger. Protéger la magicienne. Oh, le coup de boule du mage. Oh, ça, c'est une arcane. C'est une arcade incroyable. On va se mettre là. Les mercenaires se battent pour de l'argent, nous... Bon, il y a l'aventure. Et on va leur roter dessus. Ils sont étourdis. On va se mettre là. Et le nain, il va directement là. Voilà. Lui, il a pas bougé, ce qui m'embête beaucoup. On va se mettre là pour essayer de le choper par derrière. J'ai pas le sang de disponible. Bon, j'ai la petite baffe pour dégager ce malodrin, ce malotru, ce malandrin, comme vous voulez. Mais il a pas bougé. Bien sûr, attaque de dos. Même pas mal. Il bougera pas, hein. C'est un ogre. N'exagère pas, par contre l'ogre il est bien de dos. Ah. On te sort de son, il sera pas... Loué Salam, c'est louer son âme.
peut-être me mettre là. Attendez, c'est dans combien de tours? Dans un tour. Non, ok, c'est bon. Je peux rester là. Ah, raté. Je vais taper les deux, bien sûr. Hors combat dans un tour, mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. Laissez la police faire son travail. Ah, je me mets où? Ah oui, d'accord. Ah oui, alors, de souvenirs. Non. Ça, ah, et voilà. Vous vous déplacez, bien sûr, vous pouvez, en fait, vous pouvez utiliser, si vous appuyez sur CTRL et vous cliquez sur des lieux, en fait, votre personnage va faire plusieurs, va se déplacer dans plusieurs cases, au lieu d'aller, au lieu d'aller, par ce qui est proposé par le jeu. Je sais pas si c'est clair. Moi, dans ma tête, c'était clair. Je peux pas, non, je peux pas. Ok. Je vais peut-être le tuer lui pour être tranquille. Ah, enfin, le voleur va pouvoir taper dans le dos. La mort frappe sans bruit. Et ça esquive. Vous êtes là, vous aurez le droit à un petit tourbillon de waza. Je suis déçu que le voleur il a loupé son attaque quoi. Bon, par contre l'elfe faudra forcément qu'elle soigne la soigneuse. C'est concept, je sais, mais... Je vise l'œil gauche ou l'oreille droite? Et qui joue, quoi? Donc il va se faire taper dans le dos, bien sûr. Rien de tel qu'une bonne bagarre avec des pochetrons. Ok, donc hop, on soigne. Ok, c'est ça. Oh, il est de dos là? Ou il est plutôt de côté? Ok, je peux péter la caisse de saucisse avec le nain, on est tranquille. Par contre, le rancher, adieu. Et alors, je pourrais le soigner. C'est peut-être ce qu'on va faire. Hop, on va soigner le ranger. Pas du tout, je suis pas assez prêt. Je suis deg. Bon, bon on va mettre une protection sur la mago. Fortune et gloire pour les mercenaires. Ou un coup de dague entre les omoplates. Donc il ne reste plus que cette caisse-là à les détruire, bien sûr. L'ogre, il faudra peut-être le soigner un moment. Je sais pas, on verra. L'avantage de Log, c'est que quand il tue quelqu'un, il se soigne. Ouais, on va manger. Se manger une petite saucisse. Un petit jambon, pardon. Voilà. Le nain, il va péter la caisse. Voilà, on est là, du coup. Et c'est souvent dans la gueule. On est bon. On va le refaire jouer. Comme ça, je peux tirer à l'arc. Balette. Ok, on a quelqu'un là. Faut aller les sauver. Ou alors, il y a là. On va les sauver. Ah, je peux pas.
Ah mais si, il y a l'arc. J'ai un arc. On va tuer les gens qui n'ont plus de vie. Bon, alors je serai plus discret, mais c'est pas grave. Je serai dans le dos. La mago est résolue. Ok. Je ne vais jamais me tourner le dos. Putain, le coup critique. Tiens, un coup de couette. Eh ben, ce sera la mort de notre... Enfin, l'inconscience de notre barbare. Ah oui, il est toujours de dos, du coup, lui. Putain. Compliqué, compliqué, hein. Adieu. Ok, ça va. Là, on va commencer à se sortir. Il y a plus qu'une seule zone où les ennemis peuvent arriver, donc on va devoir descendre tous nos alliés pour conquérir cette zone, entre guillemets. On pousse le ranger devant la mago, ça c'est bien ça. Ok, on va voir taper le nain. Je n'ai plus assez d'énergie astrale. Ok. Faut tuer les gens. Les signalements de début de live ont porté leurs fruits. Ah, bien. C'est bon à savoir, ça. On va manger une saucisse, maintenant. Faut qu'il s'en aille, en fait. Cher. Ouais, on va se mettre là. Échec critique, parfait. Le nain il arrive. Et paf! Dégage! Il va continuer. T'as plus d'énergie astrale non plus ici. Berserker, ok. Et hop là. Tac dans le dos. Et après ce combat, on arrêtera là. Je vise l'œil gauche ou l'oreille droite. Mais on n'y est pas encore, malheureusement. Ah, tu l'as senti, hein ? Elfe, est-ce que l'elfe a son soin ? Pas encore. Il coûte combien le soin ? 20. J'ai 30. Peut tuer lui. Bah, le allons-y, lui tuer lui en fait. J'aurais peut-être dû tuer ce bonhomme, ce petit bonhomme. C'est Butters. On va se rapprocher. Paf. Je vais taper les deux. Je vais peut-être prendre une petite potion d'énergie astrale. Je crois que ça fait passer le tour. Enfin, ça fait passer le tour. Cette potion ne vient pas de chez Mulfido, c'est sûr. Ça empêche de jouer. Prochain tour, des ennemis arrivent, mais ça va, il y en a de moins en moins. Hop, toi tu meurs.
On se soigne mais on brûle. Je fais un truc pour le faire tomber. Bon tant pis, on va juste se taper alors. Le nain il va courir. Le voleur devient furtif. Cette potion avait un aspect suspect. La magicienne faut qu'elle se soigne. Se soigner en volant de la vie. Il reste un PV. La honte. L'ogre c'est un peu ouais. Parce que j'ai... c'est un peu compliqué là pour lui. Oh ça va. Alia était un peu bête, elle n'a pas tué l'ogre, elle a tué l'elfe. Oui alors là par contre... Faut soigner le... Notre ami le barbare. Bon d'accord, c'est pour ça qu'il l'a pas tué tout de suite. Serre les dents. Hop. En avant. Bah le barbare il pouvait le taper hein. Bah, vraiment? Coup critique sur l'elfe qui vient juste de ressusciter, bah vous êtes pas gentil. Là, il va quand même pas. Et il va tuer l'elfe derrière. Non, ça va. Ah, par contre, il y a de la bière. Toi, tu meurs. Moi, j'ai pas pris le truc du nain pour qu'il gagne des PV quand il est dans les trucs de bière. Dans des. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref. Dans des cases de bière, voilà. Hop, elle peut soigner. Là, il y a une blessure pour l'ogre qui fait que ses PV max ont été réduits. Hein. Il était à 202, là il est à 160. Par contre, on va peut-être se mettre à un autre endroit parce que c'est pas très... Ok, donc là, tous les 3 tours maintenant, il y a des renforts qui vont arriver. Donc il faut aller péter la caisse de saucisses. Oh, mais l'elfe. Ils vont me tuer l'elfe, hein, que j'ai juste de ressusciter. Ouais, bon bah adieu l'elfe. Je me sens pas bien. Putain, il lui reste déjà plus que 2 tours. Ah, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Je sais pas si je peux le... Ah, je pourrais lui enlever la... Je vais lui donner une saucisse pour la soigner. Bon bah, elle fait, prends la saucisse pour te soigner. Hein. 83% de chance de tomber. Ok. Non là, il faut mieux que j'aille là. Je fais un petit blurp. Petit burp, pardon. On va insulter les grands-mères de ce personnage pour sauver l'elfe. Voilà. Et alors là, on est
approcher pour souffler sur les braises. Attendez. Bon, je crois que... Ouais, de toute façon, là, je pense qu'il n'y avait pas moyen de faire ça. Mieux. Ah, mais ça va pas, non ? Ok. Bon, finalement, ça va. On arrive à récupérer... Faut que je garde un peu de magie. Ça va, on arrive quand même à bien remonter. L'elfe ne va pas remourir. Théoriquement. Ah, elle brûle avant de jouer. Ouh. Oh, elle va se soigner. Ah putain, non, elle peut pas s'auto-soigner. Ah. Bah, bah, boire une potion. Ça a pas bon goût, les potions. Et en vrai, elle va se mettre là et espérer qu'elle tombe pas. Et elle tombe. Faut vraiment qu'on aille péter cette caisse à saucisses. Cette maudite caisse à saucisses. Ok, mais c'est bon, je tombe pas. Encore un, ah, tu manges et après tu bouges. Hop, voilà. Bon, on a joué. Pareil, tu vas bouger. Ah, c'est le sprint de la vie là. On envoie tout le monde à côté des caisses, enfin de la caisse à saucisses. Le coup critique sur le nain. C'est pas légal ça, madame. Hop. Je peux la taper? Non, je peux pas. Hein. Non, je peux pas. Ah, donc là. Là, on va rester comme ça en mode. De... Tout le monde en mode. De... J'ai oublié le mot. En mode observation, comme ça, si ça tente quelque chose, ça va mûrir. Je brûle ! À moi ma compagnie ! Hop, il bouge. Bam, il se prend un premier tir. Bah le deuxième tir. Oh, ça pas, ça tire qu'une fois. On va péter les saucisses. On va péter les saucisses. Ah, tiens. On va voler la vie des adversaires. Ok. Vraiment, c'est dégueulasse. Open, je vais aller le tuer. Ça, par contre, dans ce jeu, on se mange des coups critiques, c'est méchant quand même. Hein. Ah, voilà.
Bon, l'elfe, elle se relève quand même un jour. Qu'est-ce qui s'est passé? On va ressusciter le ranger. En fait, je ressuscite. Alors là, j'aurais pu taper l'ennemi. Je ressuscite parce que je sais pas si... quand on est inconscient, on gagne pas d'XP, en fait. Donc, dans le doute, je me suis dit, je préfère que l'on gagne de l'XP. Surtout nos persos. Voilà. Déroute, oui, bon, ils y arriveront pas, mais pourquoi pas, si vous voulez. Ils ont deux lieux pour sortir, mais ils n'y arriveront en guerre. Paf ! Ah, c'est raté. Paf ! Ah bah, il a réussi. Bon. Spoiler, lui, par contre, il partira pas. Et voilà, c'est le GG. Soignons le groupe. La bière, c'est meilleur. Soignons avec des bandages ce qu'il faut soigner. On a regagné des saucisses, on a gagné une petite potion, un grand marteau pour notre ami l'ogre. Et des jambières pour le nain. Enfin, une armure pour le nain. Par toutes les serrures de nos gales. Quelle pagaille. Non, y a plus de saucisses, vieux. Retournons voir le Goldbarg. Mission accomplie. Mais où est passé le petit bonhomme vert? Il s'est tiré, cette espèce de foie jaune. Il a dû fuir vers une autre salle. J'entends des bruits étranges dans les couloirs. Sans doute un autre sacrifice rituel. Le Goldbarg a dit de nettoyer tout l'étage. Et galère. Alors, on va juste équiper les objets de nos personnages. On a gagné quoi, du coup? Oui, on avait gagné... Pour le nain. Mon or, c'est mon précieux. Et on a gagné ça. En plus de dégâts, mais vas-y, on prend... Voilà. On monte le voleur de niveau et on s'arrêtera là pour ce matin. Puisqu'effectivement, cet après-midi, on va faire du Stardew Valley. Rien d'impression au voleur s'il y a chaché. Ok. Poudre dispositif qui crée un flash de lumière réduisant la précision des personnages dans la zone. Donc ça, c'est allié ou ennemi, hein, bien sûr. On va tenter d'achever lâchement. De nouvelles compétences, de nouveaux Alors, risques à prendre. Plus de dégâts coup critique, plus de chances de coup critique. Tant que le voleur est allié à aucun. Alors, est adjacent à aucun allié, gagne 10% de chances de coup critique. Les bombes lancées sont plus puissantes, augmentent les chances de désamorcer les pièges en combat et en exploration. Améliore l'attaque standard du voleur, elle inflige 50% de dégâts de plus contre les effets sous cible d'état. Ou alors, je donne 2 l'empoisonnement. On va prendre le plus de dégâts de coups critiques. Je m'améliore. Pour combien voilà. de temps? Et bien sûr, beaucoup d'adresses. La force, vraiment. Ah, attendez. Ok, bah on va faire ce qu'ils nous disent. Non, on va augmenter l'adresse de 2. Voilà. Et sur ce, on va s'arrêter là pour ce matin. On va sauvegarder. On peut le new save, allez, c'est parti. Et donc, on va revenir au menu principal. On va arrêter là pour YouTube, je vous dis à la prochaine YouTube.